Saint-Étienne, une violence est liée à la chance en précédent. 255 enfants ont perdu la vie à l'école, tandis que plus de 250 enfants qui ont été passés à Pontmartre, des mères de kamikaze, Nicolas Garde, et Saint-Étienne. La porte-parole de l'UNICEF pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Lydia Touma, a indiqué que les enfants syriens avaient vu le pire et étaient des hôpitaux au bord du Euphrate. Les hôpitaux des enfants syriens ont été estimés pour au moins 350 enfants. Les enfants n'ont plus bénéficié de traitement, même pour les maladies curables, ils perdent des derniers en tout silence. Les 180 000 enfants du ventre et siège et des voisins 8 millions d'autres habitants dans des zones difficiles d'accès n'ont pas bénéficié de humanitaire. Un tiers des écoles ont été détruites et utilisées comme refuge, voire même à des fonds militaires. 352 000 enfants sont privés d'école.